Donc voilà, je vous présente la marketplace Vinted. J'ai commencé à placer des produits dessus, j'ai fait des erreurs et je voudrais en parler avec vous. Donc voilà Vinted un petit peu quand tu vas te connecter dessus. Hein, hop, on va relancer la connexion, comme ça vous allez voir. Hein. Donc ceux qui sont là ont payé pour être là. Hein. Pour la mise en avant des bitcoins, bon bah ça c'est un petit plus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut parrainer des amis. Je vous donnerai mon lien de parrainage. Alors Vinted demande à ce que souvent les vêtements soient portés le plus possible. Hein. Ce qui nous fait des fois des cas de belles photos, un peu rigolotes. Ben, des fois, comme moi, j'ai placé quelques produits, on va les voir. Mes articles, donc j'ai placé quelques produits. J'en ai vendu un ou deux, des t-shirts comme ça pour enfants. J'ai vendu un bijou, mais bon, on n'en est pas là. Hein. Il y a des petites robes, j'ai des petits lots de jeans. Hein. Donc on voit un petit peu la. Comment? Le nombre de favoris, le nombre de personnes qui suivent, c'est intéressant, ça permet de voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Mais ça, on le voit dans son shop, on ne le voit pas dans le shop du voisin. Hein. Donc j'ai mis pour même mettre une petite tasse, j'avais un petit sac à main de madame qui ne se sert plus. Je l'ai mis plutôt que de le donner à la gosse qui a 5 ans. Je préfère essayer de me tirer 3 euros. Le problème sur Vinted que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits prix. Et surtout les t-shirts, entre le prix d'achat du t-shirt, le prix de les frais divers et tout ça, ça revient quasiment à 4,50 un t-shirt pour. Donc il faut être réaliste. Et puis les petits produits à 1 euro, faut quasiment en faire des lots comme j'ai fait pour les jeans là. Hein. Donc ça voilà, là c'est une petite robe bien sympathique qui est réservée mais hors du site Vinted. Excusez-moi, je vais la présenter lundi d'ailleurs, si elle n'est pas vendue. On peut voir nos articles favoris, moi j'en ai pas. Donc on a le suivi de notre compte. Hein. On a nos messages. Donc là la dernière vente que j'ai faite. Hein. Donc mon profil. Voilà. Hein. C'est une petite plateforme qui peut être intéressante à manipuler. Faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Mais oui, on peut promouvoir sa vitrine. Mais bon voilà, ça fait 6,95 euros. Hein. Bon ben. C'est comme tout est payant. Il y a juste le service, moi j'utilise le service basique. Donc voilà, je vous mets ça en ligne et puis je mets ça sur ma chaîne YouTube. Comme ça serait très bien. Alors, parler de Vinted. Voilà. Je mets ça en boîte. Je vous remercie. Au revoir.